Le 20e arrondissement de Paris est le plus jeune de la capitale, l'un des plus peuplés et des plus populaires. Né du rattachement des communes de Belleville, Ménilmontant et Charonne, formé de buttes et plateaux dominant Paris, le 20e arrondissement perd avec l'industrialisation son aspect agricole d'origine. Se met alors en place un urbanisme spécifique, différent de celui développé à cette époque par le baron Haussmann. Quelles sont les caractéristiques de l'architecture faubourienne? Pourquoi est-elle défendue par les habitants? Autre particularité du 20e arrondissement, les nombreuses maisons individuelles qui inspirent les architectes contemporains. Ce quartier, inauguré en 2003, a été baptisé l'Eden Bio par l'architecte qui l'a conçu. Ici, Édouard François a repris les codes de l'architecture faubourienne sans avoir recours à la nostalgie. Ce qui m'a intéressé quand j'ai travaillé sur ce projet ici, c'est de respecter la trame du 20e arrondissement. Donc, la trame du 20e, il y avait des petites venelles. Surtout, ce qui était important, c'est quand vous arrivez dans la rue, il y a des petites maisons, des trous, des absences de hauteur. Et je me suis dit, pourquoi on va faire une grosse barre sur la rue? La ville n'a pas besoin d'être finie. La ville, elle est comme ça. Et donc, j'ai délibérément choisi de ne pas construire sur la rue, pour laisser le soleil continuer à venir et de respecter les venelles. J'ai repris tous les matériaux « clapiers » entre guillemets ou « favela chic » qu'on retrouve dans le 20e arrondissement. On retrouve des morceaux de zinc et des modes du béton brut et surtout des plantes, parce qu'on a aussi dans le 20e un côté friche sauvage. Il y a des plantes qui arrivent, qui s'installent dans les interstices, qui habitent les lieux et qui font des lieux un peu jardins. Voilà. Je me suis aperçu qu'on ne savait plus faire des espaces verts en ville vraiment très très abondants et prolifiques pour une raison, c'est qu'on ne fait pas attention au sol. C'est-à-dire quand on fait son parking, un parking en dessous ici, on rebouche avec de la terre. Pendant tout le chantier, on vidange les grues, les peintres mettent le white spirit et la terre est complètement foutue. Et après ça, on met des arbres et ils ne grandissent pas. Ici, on a fait très attention, on a décapé un mètre de terre, on a mis de la terre bio. Et ce que j'ai fait, je n'ai acheté des plantes qu'à 1 euro gros comme ça. Donc les glycines que vous pouvez voir, je les ai plantées, elles étaient comme ça. Elles ne coûtaient rien et je savais qu'à 3 ans, c'est à peu près le temps de la livraison, j'ai livré il y a 3 ans, à 3 ans, ça arriverait jusqu'en haut. Donc il y a aussi une pédagogie de la nature qui consiste à dire « intéressez-vous au sol et vous verrez, ça se passera mieux ». Une des caractéristiques, je pense, du 20e, c'est avoir la porte qui donne directement dehors. Dans les quartiers bourgeois, c'est tout à fait différent. On a un hall d'entrée, on a tout un tas d'apparats. J'ai voulu faire des appartements assez simples, qui sont un peu une nouvelle manière d'habiter. On passe par son balcon, le balcon c'est l'entrée du coup. Et après du balcon, on peut soit passer par la cuisine ou passer par son séjour. J'ai minimisé autant que faire se peut les couloirs. C'est pas une architecture de couloirs. Les pièces arrivent à s'organiser avec autour de quelques mètres carrés tout en ayant tous les échappées possibles. L'espace privé, ça reste l'espace privé. Les mélanges comme ça ne marchent pas. Mais par contre, l'espace public est de moins en moins public et de plus en plus approprié par jusqu'à sa propriété. Ce qu'il faut, c'est trouver en fait des transitions. Aussi bien l'architecture ici, c'est une transition. Le mode d'habiter, c'est une transition entre être seul, être à deux, être à trois, être à quatre, être ensemble dans son quartier. Un travail de transition.